Bonjour à tous, c'était Camon. On va découvrir aujourd'hui un jeu de sous-marin. Ça va nous changer un peu. Un jeu d'action, aventure, exploration, RPG, mais surtout d'action en fait. Voilà, donc c'est un jeu qui sortira en 2017. C'est une démo si je ne le rappelle pas. Édité par Gambitious Digital Entertainment, c'est un crowdfunding, c'est-à-dire qu'on a participé en mettant de l'argent pour essayer de développer ce jeu. Et le développeur lui-même est Arachnid Games. Voilà, tout est dit. Et c'est parti. Alors, de la 3D, c'est superbe. On va commencer tout de suite par ralentir la manœuvre. Voilà. Et on va pouvoir explorer le sous-marin, puisqu'on va finir le tutoriel comme ça. Un des membres d'équipage me parle. Alors, la vue latérale du sous-marin, c'est style BD. Bon, on va passer les petits dialogues vite fait, hein. L'équipage demande à faire une pause dans le port d'attache. Il n'y a pas de problème. On voit tout le personnel, le timonier. Et donc, on va découvrir une chose. Chaque partie sous-marin est une bulle. Donc ici, nous avons... Est-ce que je peux reculer? Nous avons le sonar, qui sera important pour repérer les ennemis, les objets. Ici, le périscope, donc le gars qui dirige les moteurs en avant tout, recule. Un des petits marins qui est ici, Jack. Donc on voit aussi que ce personnel a de l'endurance, de l'intelligence, de la perception. C'est peut-être le côté RP du jeu. Vous allez comprendre pourquoi après. Je croyais qu'il y avait des marins qui dormaient. Oui, il y a d'autres marins qui dorment ici. Voilà, on peut reculer. À la torpille, nous avons Ivan Gregor. Enchanté, mon gars. Est-ce que je peux reculer un petit peu? Et l'artilleur, donc tout ce qui est canonnade, nous avons donc Cat Smith. On peut également ajouter du personnel là-dessus. Alors moi, je vais faire quelque chose tout de suite pour la démo. C'est au niveau du torpilleur. Voilà, on va zoomer dessus. On va ajouter un équipage. Ivan Gregor. Et on gagne plus 20%. 0,2. Donc on a mis les deux marins d'office dessus. Très bien. Là-dessus c'est fait. Et on ressort de là. Et sans perdre de temps, on va donc monter. Je suis en vitesse lente. C'est pour déclencher la première quête. On va donc essayer d'aller au bout de cette démo. On voit qu'il y a un sous-marin qui est accosté, le Matryoshka. Alors, on voit aussi le logo du jeu sur la coque du sous-marin. Arrête toute. Là, l'ancre est en vert, donc je vais tirer des cordages. Impeccable. Voilà, on rentre dans l'abysse. Première quête explorée. Et donc, vous aurez des ports comme ça pour trouver du monde, du personnel, discuter pour les quêtes. Alors, une chose à savoir là-dessus, donc, vous avez vu la démo, l'intro, je veux dire. Le monde a été dévasté, c'était les guerres, cataclysmes post-nucléaires, donc les eaux ont recouvert entièrement les continents, les terres, plus d'animaux, plus rien. Et le peu de rescapés vit en fait dans les abysses. Et en surface, on ne peut rien faire, il existe une croûte de glace énorme. Alors il y aura des factions, des mercenaires, d'autres ports d'attache en fait qui permettront aussi d'upgrader ces sous-marins. On en aura jusqu'à 9 en fait. Donc je vais débloquer vite fait la quête, on va discuter un petit peu. Vous aurez tous les dialogues, voilà, il parle d'un vaisseau qui est parti explorer. En fait, on recherche un trésor, nous aussi. Allez, on débloque tout ça. Et la direction donnée vers le nord-ouest. On va garder ce cap, vous allez comprendre tout de suite après. Voilà. On peut également fouiller le port d'attache. On va peut-être trouver quelque chose. Le tableau, voilà. Donc, on peut avoir des loots. Ici, de la nourriture pour l'équipage, des torpilles pour le sous-marin, de la monnaie, les dinars, et de la ferraille pour tirer. Hop, tout est pris. On valide. Et on va carrément partir à l'action. Donc on va faire V pour sortir. Alors, comme nous l'a dit que le tuto, ça va être la fin, je pense. Il faut appuyer sur C. Et on part vers le nord-ouest. On va peut-être descendre un petit peu. Et on va lancer le sonar. Alors, il y a des reflets. C'est très très sombre. On est dans les abysses. Là-dessus, je ne vois rien. Oh oui, il y a des mines. Des mines flottantes. Alors je tire. On peut même ne pas lâcher la canière. Donc là je joue en fait avec le clavier souris, mais c'est conseillé à la manette évidemment. Et ah voilà, l'objectif, le premier. En fait on va vers des vestiges. Notre quête actuelle est d'en trouver deux. On va les explorer. Est-ce que je suis gêné encore par des... Bon, ça va. On gère. Ah peut-être ici. Touché. Allez, en avant toute sur régime. Waouh. En voilà.
tout de suite. Alors la coque, évidemment, si on prend des coups, on pourra réparer avec l'équipage. Tout le monde est polyvalent à ce niveau-là. Je suis en demi, en avant-toute. S'il te plaît, encore un coup. Alors on peut découvrir à côté la beauté des algues. On peut peut-être voir des poissons aussi. On va essayer de faire attention. L'équipage est en train de réagir, mais nous on va aller s'accoster directement à l'arrêt. Et on tire les cordages puisque l'ancre est verte. Et voilà, on a exploré le premier vestige. Donc on voit en fait un artefact où on voit les gens d'avant l'apocalypse qui ont voulu se protéger. Certains sont morts. Et nous on va fouiller. Pareil, toujours torpille et de la ferraille. Tout est bon. C'est nickel. Donc moi ce que j'apprécie beaucoup aussi là-dessus, c'est cette vue latérale du sous-marin en style BD. Donc j'en vérifie mon sonar, donc c'est bien. Ah non, il est à 20%, c'est là-dessus que j'ai mes membres d'équipage. On va le mettre plutôt à la torpille, s'il te plaît. Plus 20, non, c'est bon. C'est bon. Et on continue en avant, lente. On va aller par là. Là, c'est est. Donc, non, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est vraiment là, les griffes. Allez, les amis, on accélère. Un coup de sonar. C'est des dégâts, ça? Non. Ah, bah voilà! Je vois au loin. Alors c'est le seul côté qui me perturbe dans ce jeu, c'est qu'il fait très 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 sombre. Donc il y a comme une paroi, on va descendre. Avant toute. Est-ce que je vois des ennemis? Un coup de sonar, c'est pas du luxe. On va ralentir. Je vois rien du tout. Allez. Vas-y, Jay. Ah, il y a quelque chose. J'en vois un, je regarde un petit peu à côté. Est-ce que je peux larguer d'ici une torpille? Oui. Deuxième torpille. On va accélérer un petit peu. J'en ai eu un. Je pense que je l'ai eu. Il n'a pas l'air de réagir en même temps. Ah bah si. Allez, là c'est un combat. On va tout dégommer. On va tourner sur nous-mêmes. Touché. Niveau faible en ferraille. Punaise. J'ai tout le monde? Je pense. Ah bah c'est pas mal à retenir le coup du tourniquet. Bon, on va chercher l'entrée du deuxième vestige. Je la vois. On voit l'ancre au loin. On va s'approcher. Et on agrippe les grappins. Voilà. Le second, on va récupérer torpille, ferraille, ça tombe bien, on en a gaspillé un paquet. Donc on a l'inventaire qui est complet. Et maintenant, on va sortir des failles. On va remonter vers la surface, je pense, d'après ce que je comprends. Et, ah, dernier truc que j'ai oublié de vous montrer, dans le sous-marin, on a donc tout ce qu'on récupère. On a un coffre au trésor. On va aller voir après, parce que je vois qu'on va nous parler au niveau du sonar. Qu'est-ce que tu me racontes là-dessus? Donc l'utilité, en fait, on détecte tout ce qu'il peut y avoir, hein. On va passer un peu le dialogue. Hop, comme ça on peut remarquer aussi où aller piller. Alors, là-dessus, non, c'est bon. Et si je veux redescendre, je ne peux pas. Ah voilà. Regardez là, l'inventaire du sous-marin. Donc tout est ici, avec le trésorerie. On a également pied de biche, ok. Ferraille. Fossiles de poisson. Et des livres, ça vaut 100 dinars. Donc on a des bons petits trésors. Alors, on décroche. On va donc accélérer. Et puis, du coup, je remarque, regardez, la quête nous l'indique, on va quitter la boussole. Donc pas de point de sauvegarde jusqu'ici, tout se passait bien, c'était facile. Alors
Alors, il me dit, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Il se passe quelque chose. Les torpilles sont prêtes, oui, bien sûr. Je reçois un SOS du sonar, alors on va aller la voir. Un SOS. Quelque chose au sud d'ici. Bon, bah, on va aller regarder un petit peu. L'équipage s'interroge. On passe la scène aussi, vous voyez les dialogues. Ça vous met dans l'ambiance. Donc il faut aller les sauver. Il n'y a pas le choix, il faut être courageux. La quête c'est détresse. C'est parti. On quitte et on y va. Donc plein sud. La boussole, eh ben, on go. Ah ouais, donc c'est vraiment par là. Peut-être pas en sur-régime, mais au moins grimper. Un petit coup de sonar s'il y a des ennemis. Et je vais même pouvoir quitter parce que je vois qu'il y a le signal lumineux qui me dirige. En avant toute. Qu'est-ce qui me tire? Là, il y a quelque chose. C'est encore des drones. Ah, punaise. Est-ce que je pourrais lancer une torpille? On va viser celui-là. Donc, beaucoup de phases d'action de combat. Hein. Ils sont chouettes. Hein. J'en ai eu un. Allez, un suivant. On active le temps de chargement de la torpille, c'est rouge, je peux tirer. J'en ai une qui va dessus. Là, il faut que je change de cap, on me tire dessus. Un coup de sonar. Le v'là. Oh là là là, il tire, faut qu'on esquive un peu. On va aller faire gauche-droite. Tiens, toi, tu vas manger. Tu vas prendre pour les autres. Il reste un peu de 23. 23 de ferraille. Allez, on lâche une torpille. Pareil. Eh, ils sont vraiment coriaces, hein. Je n'ai plus de ferraille. Super. Écoutez, pour cette démo où je consomme comme un fou, on va finir, on va aller voir ce qui se passe. J'aimerais au moins vous montrer une grosse créature pour la fin du jeu. Parce que si je meurs, là, on redémarre à zéro. Donc je suis pas d'accord. A toute berzingue sous régime. Allez. Des fois, la fuite, c'est le meilleur des trucs. Hein. Et là, on devrait tomber sur quelque chose. Oh, les poursuites. Et voilà. Bon, bah écoutez, l'objectif, le voilà. Ennemis, encore des fouilleurs. J'arrive à en dégommer. Hein. Non, non, c'est pas mal. Hein. Oh, la coque, la coque. Faut qu'on parte de là. On répare ce qu'on peut tout de suite. Bon, écoutez, on va stopper sur ce graphisme de fou. Et je vous dis, bah, bon jeu, bonne découverte à vous tous. C'était Ekamon pour Daily Mars. Bye bye. Ah oui, c'est l'ennemi qui crache, les ennemis, d'accord. Sale bête. Allez, à bientôt tout le monde.